C'est dans les villages de Kanyaruchina, un groupement Munigi et Kibati dans les territoires de Nyiragongo en province du Nord Kivu, sur l'axe Goma-Rutshuru, que cet affrontement a eu lieu. Ici, les manifestants, parmi lesquels des déplacés, avaient bloqué la route pour protester contre le passage du convoi de la MONUSCO qui quittait Kiwanja en territoire de Rutshuru. La population de cette partie du pays voulait savoir ce que la MONUSCO fait dans les Rutshuru de nos jours, étant donné que ces territoires sont contrôlés par les rebelles du M23. Soupçonnant une certaine complicité avec l'ennemi, la population voulait vérifier ce que le casque bleu transportait dans leur véhicule. D'après les informations recueillies, les éléments casque bleu ont opposé une résistance et la situation a dégénéré sur les champs. Bilan, deux véhicules de casque bleu incendieux, aux côtés d'environ 5 manifestants tués par balles par les éléments de la MONUSCO. La chef de la MONUSCO au pays compatit avec les familles des manifestants décédés et présente ses condoléances. Cependant, elle appelle la population de faciliter la circulation à la MONUSCO, car d'après son communiqué, la MONUSCO apporte un soutien opérationnel quotidien aux FRDC et facilite l'acheminement de l'aide humanitaire aux victimes et personnes déplacées par le conflit. C'est depuis juillet 2022 que des manifestations mortelles anti-MONUSCO sont rapportées dans plusieurs villes du Nord Kivu et du Sud Kivu.